Salut les gars, comment ça va? Petit déj. Et après je prends le train. Bon les gars, j'attends mon taxi. Il doit m'emmener à la gare. Et de la gare, je me rends à Qingdao. Tiens, mon taxi arrive les gars. Bon, je vais pas te mytho, je suis dans une mer de monstres. Tout est écrit en chinois. Je comprends rien du tout. En vrai, j'ai pas compris que avoir des sous, c'est pas le problème en fait. Là, c'est chaud. Alors, faut que je prenne un billet de train. Vas-y, explique-moi. Explique-moi, mon gars. Comment je fais? Là, tu vois, je galère. Mais je peux te garantir que je vais m'en sortir. Tu verras. En fait, ma difficulté, c'est que je parle pas chinois. Je comprends rien, ça va tout vite. Il n'y a que des bornes automatiques. En gros, tu dois prendre ton ticket. Il n'y a pas de guichet. C'est bruyant, ça pue la fumée de cigarette. La pollution, c'est atroce. Atroce. Tu vois ma gueule? Quand on me dit bonnes vacances, frère, est-ce que tu crois que je passe des bonnes vacances? Non! C'est pas ça des vacances, les gars. C'est une fourmilière. Une fourmilière, mon gars. C'est un truc de fou. Bon, les gars, on se rapproche du but. J'ai mon ticket. J'ai enfin mon ticket. J'ai mes putains de tickets, mais je suis perdu dans la gare, mon gars. Je te jure, tu t'imagines pas ce que c'est d'être seul dans un immense pays comme ça. Bon les gars, j'ai trouvé un petit McDo. Je vais enfin pouvoir manger quelque chose. Eh les gars, je fais ça pour vous. Je te jure, je vais pas vous mentir. Plus d'une fois, je me suis dit, vas-y, prends ton billet d'avion, rentre chez toi. Ah, je te jure. Mais dans ma tête, ça serait un échec. Je suis venu pour les compléments capillaires. À la base, je suis venu pour ça et que pour ça, tu vois. Donc, je vais faire ce que j'ai à faire, tu vois. Et après, je vais rentrer. Mes vacances, ça sera quand je rentrerai en France à Dijon. Parce que là, mon gars, c'est pas des vacances. Je te jure, les gars, vous imaginez pas la capacité mentale qu'il faut pour gérer tout ce qu'il y a à gérer ici. Depuis le début. Depuis le début, c'est l'enfer, mon gars. Bon, c'est pareil, j'ai mis une petite casquette. Hey, tu sais, le pire truc, quand j'étais dehors tout à l'heure, tu vois, j'ai cru que j'allais crever. Mais je te jure, sans mentir, une forte chaleur étouffante, odeur de pollution, odeur de cigarettes, ils fument tous. Tout le monde fume ici. L'odeur, le truc, la chaleur, le stress, le... Ouah, je me suis dit, mec, je vais tomber dans les pommes là au milieu. Mais je suis un vrai soldat, mon gars. Il faut que je me relève. Mais c'était... Pff, je vais faire une vidéo à chaud. En plus, sans compter le manque de réseau. Tu galères. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir des explications. Et ton réseau, il galère. Donc, tu te retrouves livré à toi-même.
C'est l'enfer sur Terre, les gars. C'est pareil, là, je me suis fait éclater. J'ai pris un business class parce que je veux pas me mélanger. Je te dis la vérité, t'as pas le choix. Parce que tu vois, t'as quand même les Chinois qui sont stylés et t'en as d'autres, laisse tomber. Je veux pas être là-dedans. Tu t'imagines même pas. Ceux qui crachent par terre et tout, les cassos et tout, je veux même pas être mélangé avec eux. Là, tu vois, je veux quand même, tu vois, moi, je veux être avec les mecs qui ont les costumes. Moi, il me voit comme ça, il s'est dit, mais t'es qui, toi? Oh, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. Donc, tu vois. Mais putain, ouais, chaud. Là, j'ai hâte de partir là-bas. Et oui, comme je disais, en fait, normalement, mon vol, je dois repartir le 15 de Shanghai. Mais moi, je vais à Qingdao. Et Qingdao, à Shanghai, il y a 7 heures. Franchement, je crois que je vais modifier. J'ai pas envie de me retaper 7 heures pour venir à Shanghai. Je vais prendre le 15 juin, je prendrai mon billet d'avion, je pars de Qingdao direct. Ah ouais, chaud. Je sais pas, franchement, je sais pas, reste déconnecté. Mais les gars, je mouille le maillot. Trouvez-moi une personne qui fait sa boîte comme ça, comme moi je le fais. Moi, je vais. Franchement, je galère, les gars. Je galère pour vous montrer les meilleurs produits, les gars. Voilà, en plus de ça, je suis éclaté. Je vais avoir 7 heures de train. Et demain à 9 heures, j'ai rendez-vous avec mon associé là-bas. Donc, tu vois, je vais dans son showroom, tu vois, on va voir, il va nous montrer des produits, tout ça, tu vois. Et le lendemain, genre vendredi, on va à l'usine. Bon, maintenant, je vous emmène au McDo, les gars. McDonald's. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Quelle résistance à l'épreuve. Mon gars, je peux aller tout de suite sur Pékin Express, quand vous voulez. De la tarte Pékin Express. Par rapport à ce que je vis, tu t'imagines même pas. Il y a même un Starbucks. Wesh, mon ami pour la vie. Ils ont rien compris, ils m'ont donné. En fait, j'ai demandé une frite, ils m'en ont donné 100 000. Bref, c'est pas grave.
Bon les gars, le taxi vient de me poser. Oh putain. Le taxi, regarde, il vient de partir là, il vient de me déposer. Là maintenant, je suis arrivé dans mon hôtel. Eh, c'est quelque chose là. Là, tu vois, je me sens déjà mieux. Je me sens déjà mieux parce que tu vois, c'est la ville. Tu vois, il y a plein de trucs. En plus, il y a un super centre commercial que je vais aller voir demain. Je me sens déjà mieux, tu vois, je me sens moins oppressé là, tu vois. Là, tu vois, c'est dégagé, c'est civilisé, tu vois. Wow. Eh franchement, c'était chaud là où j'étais à Shanghai, là franchement, pas fan du tout. Là tu vois, regarde la gueule de mon hôtel. Un bête d'hôtel. Je vais prendre une douche, me faire un bon truc à manger. Et demain, rendez-vous pour le showroom les gars, restez connectés.
découverte, les gars. Là, tu vois, on est dans quelque chose de pas mal, tu vois. Regarde si c'est pas mignon. Regarde, petit salon. Le lit king size, je vais super bien dormir. Les petites claquettes. Ah, je te jure, c'est vraiment sympa. Tu vois, j'en demandais pas tant, tu vois, mais au moins avoir quelque chose, tu vois, de propre, tu vois. Regarde le petit écran. Regarde, une petite bouilloire. En plus, je me suis acheté du café. Je vais rester là, tu vois. Je pense que, tu vois, j'ai pris que 2 nuits, mais je vais rester tout là, tout mon séjour ici. Et regarde la petite vue. La petite vue et tout. Putain, j'aurais jamais pensé que c'était mieux ici, tu vois. Mais tu vois, tu sens que c'est vachement plus... plus chic, tu vois. Plus, voilà, tu vois. Moi, je voulais un truc bien, tu vois. Regarde, là, tu pars, tu vois. T'arrives là. Oui. Oui, ça vaut le coup de faire un voyage. Mais là, j'en avais marre. C'était bourbier. Bourbier, bourbier. Donc, voilà. J'espère que cette visite vous a plu, les gars. C'est vraiment... Waouh. Waouh. Je mets mon masque tout le temps, c'est... J'ai la peau toute grasse mon gars. Je vais prendre une bonne douche, j'ai fait des heures et des heures les gars. Franchement, j'ai fait 14 heures d'avion. En fait, je t'explique, déjà j'ai fait 2 heures d'avion. Paris, Orly, comment ça s'appelle, Autriche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti d'Autriche à Shanghai. Shanghai, c'était la catastrophe. Putain, je te jure, mon gars, c'est Pékin Express pour moi. Je te jure, mon gars, c'est mission. Putain, je crois que le pire, c'est quand j'étais à la gare. J'étais à la gare, j'ai cru que j'allais crever. Je te jure, tu sais ce que c'est, en fait, quand t'es paralysé par les problèmes et tu sais même pas comment tu vas t'en sortir. Tu ne parles pas la langue. Tout est écrit chinois. Tu te dis, je vais m'en sortir comment? Les chinois. Tu te dis, je vais m'en sortir comment? Ils sont pas courtois. Ils en ont rien à foutre. Ils comprennent pas. Et le souci, c'est que même l'écriture en elle-même, c'est pas la même. Donc, ils ne comprennent pas. Tu peux montrer écrit en anglais, en français, en tout ce que tu veux. Ils ne comprennent pas. C'est des symboles. Eux, leur écriture, c'est des symboles, ils ne comprennent pas. Tu montres une localisation GPS, ils ne comprennent pas. Il faut que ça soit écrit chinois. Et le problème, tu n'es pas sûr que ce que tu leur montres, ça correspond vraiment à ce que tu veux leur demander. Donc, c'est un enfer total. Les gars, c'était mon jour 3. Putain, des aventures de Lucius Institute. Demain, j'ai mon associé qui vient me voir, qui vient me récupérer à l'hôtel. Direction le showroom. On va parler business. Il va montrer des nouveautés au niveau des compléments capillaires. Et vendredi, direction à l'usine. Les gars, c'est tout pour moi. Have a good day. Have a good night. C'était Lucius Institute à vous les studios. Ciao.